Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sims sur le défi Legacy. Oui, je sais, je reprends d'affilée. Ça fait beaucoup. Où est-ce que j'en étais? Tac, 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 parce que du coup, entre deux épisodes, il n'y a pas de souci. Mais comment ça? Besoin? Besoin? T'es au top en fait. T'es nickel. Ah ouais, c'est vrai que du coup, t'es vachement plus. Tu gagnes plus de points dans le monde la nuit si t'es un vampire. Parce que du coup, ben. Techniquement, tu sors la nuit. Tu sors la nuit. Et ça, je vais les utiliser peut-être plus tard. Point de pouvoir. Ok. Je verrai parce que je crois qu'on peut on peut le débloquer plus tard. Donc ça, je vais pas l'utiliser tout de suite. On verra. Donc on va y aller doucement. Toi, t'es toujours mortifié. Réveille-toi. Très mal à l'aise. Pourquoi? Urp, oh non, c'est garou dans le ventre. Son, hein? T'as bouffé un truc qui est pas bon? Raison, nausée. Non, tu te relèves. Mais t'es enceinte? Comment ça se passe? Allez, ici. Là, tu vas jeter. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'es hyper en forme, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, en fait, tu pues tellement que ça t'a réveillé. Mais mec, non, tu dois pas te coucher tout de suite. Mais ici. Tu vas prendre ta douche, là. Allez, ici. Ah, je vais la tuer. T'es heureuse? Attends, tu vas voir. Allez, ici. Oh mon Dieu! Non, pas ici. Tu vas pas vomir? Pourquoi c'est dégoûtant? Ah oui, c'est vrai qu'elle est. C'est vrai qu'elle est. Ah merde. En fait, elle va surtout tuer ses frères et sœurs, elle, au final. Non, tu veux pas aller t'endormir comme une grosse merde par là plutôt? Ouais, c'est ça. Bon, bah tant pis. Toi, du coup, tu vas faire ça et tu vas retourner te coucher en fait. Voilà. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Bah, du coup, papa, vu que tu es en forme, tu vas jeter. 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 Voilà. Et puis, tu vas reprendre ton tableau. Hein? Comment ça? Merde, c'est vrai que c'est pas toi. Ok. Toile surréaliste, hop, sang. Tu vas d'abord aller aux toilettes. Va d'abord aller, va aux toilettes, va aux toilettes. Puis tu reprends ta toile. Toi, comment tu vas? Toi, tu pètes le feu, ok. Tout le monde dort, c'est le moment d'en profiter. Alors, toi, quand tu vas te réveiller, tu iras sûrement bien. Toi, tu auras sûrement. Elle n'en peut plus, elle. Toi, t'as surtout sommeil. Toi, tu vas plutôt bien. Toi, t'as envie de prendre une douche. Du coup, je sais ce que maman ou papa vont faire. Voilà, papa est à la retraite. Bébé, il va bien. Bah, Christophe vient à peine de grandir. Enfin. Toi, tu grandis quand, toi, sale merde? Dans. Ah, la. Demain. Nickel. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Ah. Ah non, parce que c'est revoulu. Bon, tu n'as rien à apprendre. On fêtera ton anniversaire demain soir, mon chou. Papa et maman seront en pleine forme parce qu'ils auront fait que ça de la journée. Toi, t'as envie de prendre une douche, toi. Tu vas prendre une douche juste après. Un bain? Non, une douche, j'ai dit. C'est vrai que eux, ils ont tous pris. Tous bloqué la porte. Hop, ok. Est-ce que tu voudrais juste, par contre, te dépêcher d'écrire ton bouquin?
serait cool. C'est ça ton œuvre. Mon dieu, mais c'est affreux. Ah, du coup, mais attends. Du coup, tu n'as plus de travail, toi. Ah, attends, tu vas aller travailler, du coup. Toi, ce que tu vas faire demain, c'est que tu vas chercher un plan de carrière. Pour amener des thunes, des putains de thunes. Toi, tu grandis quand pour ramener du fric, toi aussi? Alors que tu meurs avant. Dans 2 jours. Dans 2 jours, tu passes adulte. Toi, dans 3 jours. Donc, en fait, il y aura mère 2, ensuite elle, ensuite lui. Ça fait un jour par anniversaire. 7 jours. Pff, toi, c'est large. 10. Donc, une fois que Christophe aura grandi, donc je pense à la fin de cet épisode, vous pouvez déjà commencer à choisir, je pense, l'enfant qui va être donc l'héritier. Alors, peut-être que vu que je les ai eu un petit peu décalés les uns par rapport aux autres, voir si je vous donne pas les critères que j'ai de sélection pour les prochains, pour les deux enfants, parce que autant savoir. Ce que je vais faire, c'est que j'invite un récap. Donc lui, Marc, il est immature, soigné et vegan. C'est un bambin heureux. Possède niveau 3 dans toutes ses compétences de bambin. Hey, GG. Tu vas vendre ta toile, toi. Non, tu tords pas. Tu vends un collectionneur. Tu la vends combien, en fait? 500 seulement? Tu me déçois. Oh, t'es fatigué. Toile surréaliste. Allez, tu continues. S'en fout. Exploitation, monsieur. Exploitation. Donc, du coup, l'autre vient de se réveiller un peu plus. Ça y est, elle est en bonne. Elle est inspirée. Plus aucun malaise. Donc, lui, personnalité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Ça va être l'as de la blague. Vincent, un enfant turbulent. Ouais, il n'est pas si turbulent que ça, en fait, au final. Plus tard, il voudra être pro de la pêche, apparemment. Et donc, c'est très. Voilà. Toutes les compétences de vendre. Ah, génial, lui, il était cool. Donc, il est déjà perfectionniste. Il va être romantique et gourmand. Donc, ça sera le gourmand du truc, quoi. Et le petit dernier, qui est curieux actuellement, quand il sera à l'âge adulte, il sera donc. Il aura envie de faire fonder une famille de vampires. Donc, ça va être compliqué. Il sera actif, pitre et aimant la musique. Donc, du coup, voilà, je pense que je ferai peut-être un récap, peut-être en live, de tout ça pour les. Je sais pas si je fais un live, non, peut-être pas ce week-end, parce que je serai un petit peu occupé. Je verrai si je fais pas un live un soir pour. Juste pour tester, voire peut-être une petite heure pour décider de l'héritier, à moins que. Il y a assez de personnes regardant ça pour choisir à la fin dans les commentaires en dessous. Alors je sais pas si je vais commencer à mettre un sondage, je verrai. À ce moment-là, au pire ce sera dans la description. Nina, où tu vas là? Où tu vas? Tu vas prendre ta douche. Et tu vas où prendre ta douche? D'accord. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, ne pas chercher à comprendre. Cuisiner. S'il te plaît. Mon jeu a planté. Ah, cuisiner. Des combos. Tarte aux pommes. Ah, tu cuisines une tarte aux pommes. Juste après. Nickel. Toi, du coup, tu... à l'école primaire. Toi, tu te réveilles tout de suite, tu vas à l'école. Allez, Feignasse, dépêche-toi. T'es en retard. Ouais, t'es en retard. Je pars à l'école, mais en marchant, parce que je suis une teuille. Toi, tu as envie qu'on te lave. Et pour de bonnes raisons. Maman.
Maman, avant de faire ta tarte aux pommes là pour les humains, est-ce que tu veux pas est-ce que tu veux pas te réveiller toi déjà? Dans un premier temps. Donner le bain à Christophe. Sonia, on s'en fout, voilà. Toi tu viens, tu dors encore, mais putain, mais t'as fait la teuf toute la nuit ou quoi? Ouais, c'est le cas. Ok, allez hop. Ah oui, c'est vrai qu'il doit apprendre un truc lui. Du coup, il va faire quoi lui plus tard, j'ai dit? Tu veux être quoi plus tard? Descendance qui réussit. Oh putain, c'est relou ça. J'ai dû me planter alors, parce que j'ai. As de la blague, pardon. Ça va bien se passer. As de la blague. Du coup, tu vas être artiste. Ouais, tu seras artiste. Ça ne rapporte pas énormément, mais tu vas pouvoir augmenter ta compétence charisme. Et tu pourras choisir, je crois, entre musicien et humoriste. Et vu que tu vas être as de la blague, tu seras humoriste. Nickel. Tout est fait. Impeccable. Du coup, vu que tu es de bonne humeur. Cuisiner. Ah ouais, c'est une très très bonne initiative. Tu vas faire de la glace de régime pour papa. Goût régime. Il faut être niveau 4 en cuisine. T'es que niveau 3. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cuisiner. Gratin de tacos? Ah. Oui, forcément, ça brûle les vegans. Du coup, on va faire des tacos au tofu. Portion de 8, s'il te plaît. Et puis ensuite, tu vas aider Christophe à aller sur le pot. Nickel. Et toi, t'as fini ta. Oh! L'autre, il a fini sa toile. Vendre un collectionneur. Nickel! 600. Allez, toi, t'es juste bien. Sois le surréaliste. Allez hop. Mais non, t'as rempli ta couche, t'es dégueu. Bon. Je peux pas changer la couche. Manger, mettre au lit, durer une sorte pour dormir, changer de tenue, donner le bain, donner un bain de mousse. Ok, bon bah laisse tomber. Et toi du coup. Putain. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner à manger à Christophe. Tu vas manger des biscuits. Ah non, un genre. Confiture, beurre, cacahuète, des petits pois. Non, j'ai pas envie que tu sois encore un vegan. Un sandwich de jambon fromage. Vas-y. Ah, comme d'hab, donc c'est l'heure de manger. On va mettre Christophe en train de à table. Et nous, on va Vampire. Quelqu'un a déjà bu sur ce Sims récemment. Mince, je peux pas. Papa. Papa. Demande autorisation de boire. J'ai vraiment la dalle. J'ai grave grave la dalle. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On peut pas appeler des amis là. Amis. Connaissance. On sait, ils sont tous, on s'en fout. Hein. Lucas, toi t'es vieux, je vais te tuer. Viens ici, Lucas. Invitez un Sims sur le terrain actuel. On va manger, parce que j'ai soif. Vampire, barre du plasma, demandez autorisation.
te plaît. Arrête de peindre, seconde. C'est le 20e anniversaire de Christophe. Ah, voici mon poignet. Bien sûr, voici mon poignet. Oh, t'as pas peur. Est-ce que tu veux bien, par contre, relâcher le Sims, s'il te plaît? Au de jouer. Relâcher. C'est vrai qu'il est immature, lui aussi, putain. Ok, du coup, ça, je sais que t'es immature. Je reviendrai. C'est bon, ça suffit. T'as si vu. Vendre un collectionneur. Ah, yibs. Pause. Plus de choix. On va attendre un petit peu qu'il rentre, par contre, super. Qu'est-ce que tu vas faire? Parlez. T'as pas dû parler à lui? Présentation amusante. Bon, tant pis. Ah, il est rentré. Pause. Salut, toi. Vampire. Voir du plasma, parce que je crois que j'ai encore un peu soif. Ouais, c'est ça. Vampire. Voir du plasma. Une petite quantité de plasma. Ouais, tu vas me servir juste à ça. Hop. Où allez? Oh putain, je crois qu'il était sorti. Devant ton fils, t'as même pas honte. Et du coup, ce que tu vas faire des formes, toi. Est-ce que ça va mieux? Ah ouais, ça va tellement mieux. Du coup, est-ce que tu peux lire? Lire. Hop, hop, hop. Truc de vampire niveau 1. Dormir. Ouais. Le télé complètement buggy. Toi, tu vas jeter ton assiette. Tu veux lui demander de se casser, elle? Présentation amicale. Voilà, c'est par terre. Jeter. D'accord, l'autre s'en est chargé. Non, mais t'es vraiment trop naze. Jeter. Voilà. Tu veux pas la licencier, elle? Elle va te demander de dégager, quoi. Envoyez. Pack de plasma, du coup, c'est une méthode alternative pour étancher sa soif des vampires. Elle peut désormais commander des packs de plasma à l'aide de l'ordinateur. Oui, on va faire ça. On va faire ici, ce sera sans... Putain, la vache. Donc, du coup, maintenant que t'as appris ça, arrête. Secret de vampire. Commander des packs de plasma. Ouais. Ah, ça s'emballe l'un, quoi. Hop. Ça, on en a toujours sur un. Merci pour votre commande. Ça descend dans son inventaire. Ce serait super facile si c'était pareil à chaque fois, tu sais, en vrai. Genre, t'achètes une télé dans ton dans ta poche. Retour d'école, blablabla. Donc, maman. Mais en fait, t'es jamais fatigué, maman. Tu t'es pas allé te coucher, quand même. Je t'ai pas vu dormir encore. T'es pas, genre, vampire. Méditation obscure, voilà. Tu l'emmènes où, ton frère, là? Sur le pot. D'accord. Bah, pourquoi pas.
Faire des abdos. Ce qu'on va faire, on va préparer un événement. On va encore faire un événement social, encore un anniversaire. Je les ferai moins, plus espacés la prochaine fois là, entre les frères et sœurs, parce que c'est relou. Du coup, Christophe, tu vas grandir techniquement. Anniversaire. On va faire d'ailleurs une fête, un de ces quatre. On va fêter l'anniversaire de Christophe. Il va falloir enfin qu'il grandisse, celui-là. Hop, on invite tout le monde. Pourquoi papa, je peux pas l'inviter? Ah merde, c'est vrai. Un seul. Ah oui. Ok. D'ailleurs, pourquoi il fait pas partie de mes. Il fait pas partie de mes amis, mon fils. Mon fils, c'est pas mon ami. Merde! non, du coup, j'ai oublié de cliquer sur Christophe. Ok. On va inventer Frédérico. Inviter Frédérico, parce que lui, il veut le coup. Et Lilith. Et puis Vladistro. Vladisto. Non, puis pas lui, parce qu'il est relou. Akira, qu'est-ce que tu fais là, toi? Les gens, ils s'invitent comme ça. Non. Ok. Dans la partie. Ok. Traiteur, on s'en tape. Le mixologue, on s'en tape. On fait ça. De toute façon, à chaque fois, ils nous font chier. Donc, Résidence Legacy. Vator. D'accord. Premier Dark Vator. Bref. Ok. Ah putain, j'ai dire quoi déjà? Maman. Maman. Cuisiner. Tu vas cuisiner un gâteau. Ah, c'est pour un garçon, donc techniquement je te dirais bien un gâteau confetti. Oui, celui-ci. Dépêche-toi. Ensuite, préparer un repas pour le groupe. Faire en sorte que tous les Sims, que les Sims écoutent de la musique en même temps. On est reparti. Écoutez la musique. 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 Et allumez. on va faire ça comme ça. Socialiser avec le Sims qui fête son anniversaire pendant 3 heures. Donc mon petit gars, il va falloir vraiment que tu viennes ici parler avec tes frères et sœurs. Parler de camion, nickel. Ensuite tu vas parler de jouets. Ensuite toi tu vas dire n'importe quoi. Ok. Alors il faut complimenter les Sims qui fêtent son anniversaire. Tu peux le féliciter déjà. Donner à boire. T'apprendre à parler. Ouais, c'est une bonne idée. Je te félicite. Quoi? Je te félicite. Quoi? Faire connaissance. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça sera sûrement quand il aura grandi. Donc, on va devoir parler avec notre Sims. Pourquoi ils ont un petit soleil? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ok. Parce qu'ils sont invités. Ouah, l'hôtesse la pète trop là-bas. Fais ton gâteau au lieu de faire ton truc. Lilith, t'en peux plus? Voilà. Socialise, nickel. L'objectif principal, souffler les bougies. Tu peux faire un tout petit peu plus vite. Ah, c'est vrai qu'il était là, lui, j'avais oublié. Prépare un repas. Ah, nickel! Non. Toi, tu vas mettre les bougies. Ok, manger un gâteau. Ok. Maman? Maman, tu fais quoi? Pourquoi tu mets pas les bougies sur le gâteau? Ok, on va mettre là. Mettre les bougies.
Bon, écoute, tu vas pas me saouler. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Il est par terre. Je peux faire mieux. Mais... Ah, prendre un morceau, tu peux, hein. Mettre les bougies. Mais c'est quoi ton problème? Ajouter des bougies. Et là, tu peux, je comprends pas. Ok. Aider à souffler les bougies. Ah, nickel. Bon, arrête de parler maintenant, tu fous. Allez. On a des choses à faire. Jouer avec un le sixième qui fait son anniversaire. Nickel. Je crois que j'allais le mettre. On va pas mettre à la poubelle. C'est comme ça qu'il y a ça du sais. Genre, on va le faire, tu sais. Pouf! Christophe a vieilli. Il a encore là sa tornade. Du coup, Christophe, j'ai dit qu'il était faculté sociale. Faculté. Petit génie. Faculté motrice, faculté mentale, faculté sociale. Donc, du coup, tu seras un enfant très social. Social butterfly en anglais. Et ton premier point de caractère sera actif. Du coup, t'es un relou. Parce que tu vas faire que ça. Faire que bouger. Moi, ça m'énerve les gens qui bougent. You actif. Actif avec le land foot, voilà. C'est hyper actif le machin, quoi, quasiment. Hop, impeccable. Toi, par contre, t'as pas grandi correctement. Et t'es pas à la retraite, toi encore? Je serais tellement ravi que tu sois à la retraite. Ok, stop. Pause. Manger du gâteau. Maman, tu vas appeler à table. Appeler à table, voilà. Comme ça. Tout le monde prend du gâteau, s'il vous plaît. On va mettre ça par terre. Appelez à table. Allez, mangez du gâteau. Et parlez à ton mari. S'en fout de François. On fait planter le Sims qui fête son anniversaire. Prends un jouet de congé de payé. Ok, donc toi tu vas prendre un morceau. Toi tu vas prendre un morceau. Toi tu vas venir prendre un morceau. Alors maman, maman elle peut pas. Tiens. Nickel. Le Sims qui fait son anniversaire. T'as un portable maintenant. Tu veux pas jouer? Tiens, jouer. Yeah. Ok. Complimenté. Alors du coup, ce que je veux, c'est que tu... pause. Ah, nickel. Il n'y a pas félicité ou un truc du genre. Félicité. Ok, on va essayer comme ça. Est-ce que ça a marché? Non. Pas complimenté. Ah, sans l'avoir vu. Complimenté sincèrement. Arrête de discuter avec tout le monde, toi. Arrête de parler. Je veux que tu le complimentes. Complimenter sincèrement. Pourquoi tu... Ah, nickel. Complimenter sincèrement. Toi, tu vas venir... tu veux pas complimenter sincèrement? Nickel. Allez, on s'en fout.
Pause. Est-ce que t'as pas un truc genre complimenté enlacé, hein, exprimer son amour, partager un secret, féliciter. Ouais, tu peux féliciter. Écoute, mec, on va te féliciter. Faire connaissance. Ça me tue toujours quand je vois ça. C'est quoi ça? Célébrer. Célébrer quoi? Si tu as pas fêté ton anniversaire tout de suite, hein? Non. C'est qui va dire son anniversaire? C'est toi? Dans 2 jours. Ouais, c'est bon. Large. De toute façon, ceux qui vous. Il n'est pas possible de te faire vieillir avec ça. Tu peux pas le complimenter, demander un revenu, sortir sur les autres. Tac-tac. Parler de l'école. Génial. Ah, bah écoute, tu vas le féliciter. Remarque, tu peux encore le complimenter ou pas? Non. Est-ce que tu peux encore complimenter sincèrement? Ah, ça, c'est un truc de malade, quoi. Tu peux même pas faire un compliment. D'accord. Ok. Bon, ben, écoute. Débattre, assez. Discuter. Ok, nickel. Toi, tu te rends non, t'es là. Nickel. Ils ont fait 2 groupes. exprimer, déclarer. Ok, donner. Féliciter, faire connaissance, exprimer son amour. Cérémonie à propos de la mauvaise conduite. Ouais, si tu veux. Tu sais pas complimenter toi ton frère. Taquiner de manière malicieuse. Toi, t'es une connasse, toi. demander comment se passe la journée. Genre, tape, faire connaissance. Jouer à faire semblant. Partager un secret. Bonbon. Faire connaissance hein, après tout. Toi, tu veux pas complimenter sincèrement ton Sims? Ton frère? comment s'est passée la journée? Toi, tu vas le féliciter. Mais toi, tu peux pas le complimenter? Faire l'idiot, importuner. Toi, tu es en mode connasse actuellement. Juste complimenter la tenue? Non? Non, on s'en fout? D'accord. Ça va être compliqué là s'ils mettent pas les gens, hein. Faire connaissance. Soit tu peux recomplimenter ton frère. Je sais pas sur. Exprimer son admiration. Ensuite. Faire connaissance, exprimer son admiration. Il faut qu'ils soient tous heureux en fait. Qu'ils soient comme ça avec cette aspiration-là. Imaginer quelqu'un. Faire connaissance. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Bon, il y a joué quelqu'un. Ok, discuter avec okay, Miss. Ah, toi, t'es devenue heureuse. Est-ce que tu vas juste complimenter sincèrement ton. Ah, complimenter sincèrement. Il en manque encore un. Toi, c'est sûr que tu ne pourras pas. Toi, tu vas arrêter de bouffer comme une grosse là. Tu vas aller venir ici. Toi, tu vas venir ici. Arrête de parler avec lui, on s'en fout lui. Complimenter sincèrement. Non, non, toi tu veux venir
Ah! Allez ici. C'est pas complimenter ton frère, je sais pas, ou féliciter, voilà, tu te démerdes. Oh, c'est pas possible. Complimenter! Arrête. Je veux que tu le complimentes sincèrement. Ah, oh, c'est sincèrement pas possible. Complimenter sincèrement. Fuba Torka? Trills. Kay Wes. Chubby. Qui c'est qui vient de s'endormir? Ah, ok. Donc toi, t'es heureux. Toi, est-ce que tu veux pas le recomplimenter sincèrement? Oh, mais si, ça serait trop bien. Sturka. Nar Vadish. Non, non, sur la fin. Ah, dommage. Bon. Eh bien. Ça fait quand même. Bon, une idée d'argent, c'est pas si mal que ça. Mais bon, on aurait pu avoir l'or si l'autre s'était un petit peu bougé. Par contre, c'était super chiant parce que du coup, le fait d'avoir complimenté sincèrement qui est proc par intermittence, c'est un peu chiant, je vous l'avoue. Bon, sur ce, les enfants, ça fait un bout de temps que. Les enfants, d'accord, c'est nouveau ça. Ça fait un bout de temps que je tourne. Je pense que je vais juste aller manger en fait. Par la vraie vie, parce que j'ai un peu faim. Je vais arrêter tout ici. On reprendra ça plus tard, parce que la vache, c'est le Tawa dans la maison. Nina, donc, est devenue un vrai vampire. L'autre, il est devenu un vieillard. Toi, t'es devenu ben, un jeune adulte et t'as trouvé du boulot. Toi, tu vas bientôt devenir une jeune adulte. Donc, gardez en tête, peut-être à la fin de cette vidéo, lequel des trois déjà vous préférez. Alors, soit Marc Legacy, soit Vincent Legacy, soit Christophe Legacy. Ce sera l'un des trois. Donc, à vous de voir lequel vous voulez, de préférence. Je verrai ensuite pour faire un... Peut-être juste un... Comment dire un sondage. Et je mettrai peut-être souvent dans la description, ou alors je ferai un live là-dessus rapidement en pleine en semaine pour voir tout ça. Voilà, sur ce les amis, alors peut-être que ce ne sera pas un live où je vais jouer, ce sera un live où je vais laisser juste en attente, comme ça, juste en avoir des 2-3 votes. Et je vous dis moi à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao ciao!